Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit hors-sujet sur une game jam française organisée par Atomium. Cette game jam, tout simplement nommée Poteau-jeu, avait lieu pendant ce week-end du 20 au 23 juillet. Les participants, au nombre de 4 maximum par équipe, avaient quelques 60 heures pour produire un jeu sur le thème faire du neuf avec du vieux. Étonnant qu'on ait eu si peu de remasters! Blague mise à part, c'est pas moins de 165 productions qui ont été enregistrées au coup de sifflet final, avec une bonne partie jouable directement sur navigateur. Bien entendu, il y avait quelques règles, comme pour les assets, qui se devaient d'être au moins libres de droit, ou au mieux créés pendant la game jam. Tous les moteurs de jeu étaient utilisables, et le jeu devait tourner au moins sur navigateur ou sur Windows, le reste étant optionnel. Bon, après ce blabla pour remettre dans le contexte, on va dans cette vidéo revenir sur une petite partie des jeux produits pour donner un avis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un jeu produit dans une jam aussi courte ne sera pas un monstre de technicité. Ici, pas de c'est moche scrognonieux ou c'est pas fini scrognonieux, on est là pour parler des idées et du thème. Et on commence avec les Mimings, développés par As de Pique, rien que ça, et dont les graphismes viennent de Reznox, Ballcutter et Yudoku, le tout développé sur Unity. Vous l'aurez sans doute compris, les Mimings est un jeu qui reprend le principe des Lemmings. Pour le gameplay, partez du fait que ces bestioles ne font qu'avancer en ligne droite et changent de direction quand elles rencontrent un obstacle. Il faudra alors en amener le plus possible à la sortie sans qu'il y ait trop de pertes. Donc, pour ce qui est du thème, je pense que c'est dommage de n'avoir fait que du vieux avec du vieux. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de nouveautés, de nouvelles interactions, peut-être une nouvelle façon de faire de ce qu'on veut. Pour ce qui est de la jouabilité, il y a quelques problèmes avec les collisions contre les murs, et les poseurs d'escalier s'arrêtent vite de les poser. Corrigez ces quelques bugs et le jeu sera vraiment agréable à jouer. Ensuite arrive Zelia, un Zelda-like comme vous vous en doutez. Le jeu est développé par Dicor, Alka, Antoine, et les musiques viennent de Johan Brod. Le tout sur Godot et propose quelques 3 minutes de jeu. Pour ce qui est du thème, on le retrouve dans la direction artistique, futuriste comme vous pouvez le voir, donc c'est validé. Par contre, il manque cruellement de feedback, qu'il soit visuel ou sonore. Rien que cette amélioration devrait rendre le jeu plus agréable à parcourir. Essayez d'ajouter des animations et un petit peu plus de fluidité dans le gameplay, et on aura un jeu tout à fait valable. Tetris 360, développé en HTML sur Pico 8 par Drew Steinsen, et dont le principe est celui du Tetris, mais avec non pas une grille, mais 4, et qui tourne tant qu'on n'a pas fait une ligne. Bon, comme vous le voyez, j'ai 0 skill sur Tetris, mais l'idée est vraiment super bonne, même si on a besoin de beaucoup plus de concentration, vu comme on n'a pas le même tableau tout le temps. Le thème est respecté, c'est beau, c'est intéressant, il faudrait peut-être laisser toutes les grilles clairement visibles pour ne pas avoir à redécouvrir le tableau. Bref, foncez y jouer, c'est vraiment super sympa. Shifumi Tower, réalisé par Axe et AxeFixel, semble reprendre le principe de Mortal Kombat avec la tour, mais le transpose en RPG en mode pierre-papier-ciseaux. Le thème est respecté, mais j'ai beaucoup de mal avec la notion de pierre-papier-ciseaux. Non pas que l'IA soit totalement cruche, mais c'est qu'on arrive à faire beaucoup de tours dans le vent, et c'est assez frustrant. C'est également dommage pour la magie, qui n'a pas eu le temps de mettre en place, et qui aurait apporté, à mon sens, un petit peu plus de diversité dans les actions. Le tout reste tout à fait jouable en tout cas. On arrive à une belle claque, un concept vraiment super sympa, celui de dactylographe. En gros, on possède des lettres sur une machine à écrire démoniaque. Elle nous écrit des mots, et si on ne détruit pas les lettres du mot en question avec un mot qu'on aura composé avec notre clavier réduit, on perdra des PV. De temps en temps, on gagnera des récompenses au choix entre des PV, des PV max et des lettres. On est peut-être trop poussé à faire souvent les mêmes mots, mais c'est plutôt bien compensé par le blocage de certaines de nos lettres quand on les utilise trop souvent. Le thème est parfaitement respecté, c'est ultra sympa, foncez voir le jeu de Citron Curieux. New Adventure, inspiré par Adventure sur Atari 2600, propose cette fois-ci une évolution de l'aventure vers la plateforme. Créé sur Game Construct 2 par Ryan Cage, Unudur et Najat, le jeu respecte le thème imposé. Rien de bien novateur dans l'idée, mais le jeu reste agréable à jouer, même en platformer au clavier, surtout au niveau du saut, et c'est pas un mince exploit.
Paperboy Droid est un jeu de programmation inspiré de Paperboy, un jeu de Tiger. Ici, il s'agit de programmer un droïde pour qu'il fasse correctement la livraison, sans se bloquer contre une barrière, tomber à sec de journaux, ou se taper une voiture en évitant une barrière. Le thème est très bien respecté, le concept vraiment sympa, la seule chose qui manque, c'est la longueur, mais on n'est pas là pour critiquer la durée de vie. Je te conseille même d'essayer d'en faire une version portable, il y a, je pense, un bon filon à exploiter. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans m'attarder sur un tactical. Blue Oxo Red est un tactical multijoueur fait par Meat Boy, dont le but est de former une ligne complète diagonale, horizontale ou verticale. Bon, j'ai pas du tout fait ça quand j'y ai joué, mais ça reste vraiment pas mal. Le thème n'est peut-être pas totalement respecté, mais l'idée est vraiment sympathique. Les rôles sont intéressants et la limitation d'action est bien pensée. Manquerait plus qu'une IA et le tour est joué. Pareil que pour le précédent, le concept serait sans doute très bon porté sur mobile. Et pour finir, on va parler de Cloud Paint 98, plus une simulation qui nous propose de peindre des nuages, planter des graines et de laisser faire. Bon, même si ça rame un peu, le jeu de Endmoon 00 est vraiment sympathique et le résultat est assez cool une fois qu'on a tout planté. Bref, sympa, reposant, intéressant, le thème est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais les idées sont là. Il y aurait encore moyen de pousser le concept, même si c'est déjà très correct, en forçant par exemple la pousse des plantes avec un minimum de soleil. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, on aura fait le tour de 9 jeux, c'est vraiment pas grand chose comparé à tout ce qui a été posté. La Jam est postée sur Itch.io, vous y retrouverez tous les jeux et vous aurez encore quelques jours pour voter. En remerciant bien entendu Atomium pour l'autorisation et surtout pour l'organisation de cet événement. On y voit souvent de super concepts et des réalisations léchées avec si peu de temps. Bravo à tous les participants et que le meilleur gagne.